Femme avec ce mieux, amis internautes, nous, si la yo qui vive la messe là à travers radio, télé Petite Pan Marie, et nous contents matin pour nous fêter à go Petite Pan Marie. Soyons en prière, nous profiter commencement, prise de parole ça pour nous dire comment que nous remercions, pour nous dire également en dépit de toutes les difficultés y a rencontré dans la vie. Yo, pour yon toujours été motivé parce que yon gagne yon mission en tant que monde, en tant que chrétien, en tant que citoyen, pour yon transformer côté que yon a vivre là, pour yon transformer espace côté a vivre là, mais c'est pour yon passer par monde pour yon capable arriver réaliser tout rêve et projet que yon gagne. Et c'est pour remettre là toujours alimenter la foi yo, et à chaque fois y a écouté parole là et puis considérer comme si c'est pour la première fois y a tendé parole là, et pour la vie yo capable toujours dégager yon odeur de sainteté. Je dis à nous arriver dans 76e jour, dans 81 jour à Saint-Michel Archange là, et à chaque fois nous rassembler dans l'église là. Et depuis 10 juillet, nous avons cheminé avec Saint-Michel Archange et nous faisons en pile provision de grâce. Et nous avons l'occasion matin pour nous méditer parole bon Dieu que nous jouons dans le livre Proverbe. Et nous avons gagné pour nous méditer sous texte ça, livre des Proverbes, pendant 15 jours. Livre Proverbe là, li chita sous deux grands piliers. Premier pilier, il dégage un aspect moral. Dans l'aspect moral là, la invité nous tous et nous chaque pour nous cultiver sens conscience moral là, pour aider nous faire ça qui bien, pour motiver nous pour nous faire ça qui bien, et pour motiver nous également pour nous repousser et renoncer à tout ça qui mal. Deuxième aspect, livre Proverbe la li dégager, c'est un aspect philosophique. Dans le sens philosophique là, c'est en cours pour li dégager dans l'esprit nous, dans la vie nous, ça relé bon sens là. Et en pile fois, moun nan pense depuis li posséder ça où il est là, la connaissance là, et il n'a pas gagné compte pour lui rendre avec personne. Conception philosophique là, il dégage deux idées. Premièrement, c'est logique divine et logique humaine. En dans texte là que nous lisons, les mon ont modelé la vie li sous logique humaine. Il pensait que li pa gagne compte pour le rendre personne monde. Et c'est logique humaine qui très souvent qui motive l'homme nan, et qui des fois cap chercher gloire, cap chercher consolation, cap chercher réconfort en dehors de bon Dieu. Et c'est dans logique humaine même les l'homme nan modeler la vie li, et qui voulait aller chercher consolation en dehors de bon Dieu, et c'est ça qui fait lui causer en pile mal, en pile dégâts dans la ville. Le proverbe là a fait nous connaître que l'homme n'en doit modeler la vie li sous logique divine. Et pour l'homme n'en considérer la ville tant que c'est un canal, tant que c'est un courant de l'eau, et qui gagne pour l'al tomber dans la mer. Et yon considère la mer tant que c'est une source. Quel que soit de l'eau qui a coulé, et li pral tomber dans la mer. Et l'homme nan également qui voulait très souvent modeler la ville selon logique humaine, et qui la cause des fois le fait
en pile dégâts dans la ville. Comment? Li kon vle poser yon action nan l'idée pal, c'est bien li vle fait et le pou poser yon action c'est ça qui pas bon pour li faire. En pile des fois moun yo confond ça ou les bien. Gen trois conditions qui doit réunir pour yon moun capable faire ça ou les yon bien. D'abord, faut bien la faire intention. Faut intention, faut li animé de très bonne intention et moyen également, faut moyen bon et finalité a faut li bon également. Ça veut dire si m gen un ami qui pral fêter anniversaire de naissance li, moi vle offrir li un cadeau. M pa ka al pran bagay yon moun pou m offrir. Intention pou m bal cadeau a li bon. M vle partager avec yon moun. Mais pas l'intention que moyen bral passer a. D'ailleurs depuis au départ intention pas bon. Moi vle bal yon cadeau mais c'est pran bral pran bagay yon moun. Moyen pas bon et finalité a li pas bon. Yon moun par exemple qui détourne yon camion manger et puis pour l'al bayli par exemple dans un quartier populaire intention pour l'aider a li bon mais moyen pour le passer a avec finalité a li pas bon et les nou ap modeler la vie nous comme ça sous logique humaine nan li capable faire nous faire en pile dégâts et c'est là également toute méchanceté sorti. Même si moun nan pas chrétien, action que le pose sous terre l'a toujours gagné ça ou il yon conséquence. Et yon moun pa dwe jam mode la vie ou sous logique humaine nan et pour connait à chaque action que vous posez ou pa gen compte pour rendre. Ou a toujours gagné compte pour rendre quelle que soit action que ou même ou posez ya. C'est pour être ça. Chaque action que nous posons, la gagne yon conséquence. Li capable gen conséquence sou moun k'ap viv bon kote ou la. Li capable gen conséquence nan environnement ou ap évolué a. Et li capable gen conséquence sou propre la vie ou la vie personnelle ou. Et jan gen yon adage qui dit que nos actes nous suivent. Et c'est peut-être ça ou gen pil moun jenen jodi a. Yo plonge nan yon éternelle souffrance. Côté au joindre souffrance ça c'est une série de actions yo te kon poser dans le temps sans réfléchir sans yo pas faire appel à ça ou les maîtrise de soi et bien journée jodi a la nature a mandé au compte kama a mandé au compte et yo a prendre compte et c'est un bagage qui très dur c'est une souffrance qui pas gagné qui pa gen prix le yon moun c'est nature la kap mande au compte et les sekama qui a frappé ou et des fois moun nan kon agi par émotion pour le faire n'importe qui action et si action n'a posé yo pa gagné conséquence au final et mais gen souffrance on a rencontré souffrance dans l'étape là pour tout temps gen moun conseil de action yo pas poser puis yo faire monde plus méchanceté puis yo faire monde plus mal c'est parce que yo connaît la nature pas jamais pardonner yo société pas jamais pardonner yo karma pas jamais pardonner yo et y a bien compte également pour yo rendre devant bon Dieu et que nous toutes et nous chaque dans livre proverbe ça nous river tirer en pile leçon dans la vie nous parce que action nous yo pas prêter sans conséquence c'est dans même logique ça. Jésus a invité nous tous et nous chaque. Après, il a fait une parabole semence. Et qui dit nous que nous lui représenter un terrain. Parole bon Dieu, c'est semence. L'elle est tombée. L'elle tombe dans le cœur nous. Pour ne pas tomber dans un glacis. Pour ne pas tomber en dans un piquant. Pour ne pas tomber en dans un once. Pour bail bon fuit. Parole bon Dieu, c'est lui-même également qui a fait nous tourner sa roue, yon lampe pour nous capables d'éclairer, yon pas lui-même lampe pour yon mettre en bacabane. Et ces deux paraboles, ça yon puisé pour yon bail suite avec
l'évangile là. Et Saint-Luc Matéen l'a développé toute une théorie, théologie de la parole. C'est pas une théorie l'a développé sous différents types de familles. Et nous tout, et nous chaque nous connaît gagné environ 11 différents types de familles. Des familles étendues, des familles nucléaires, des familles adoptives, pour ne citer ça yo seulement. Saint-Luc en dans parabole là, en dans l'évangile là, l'a invité nous toutes et nous chaque ces paroles là pour nous mettre en premier dans la vie nous. Et c'est une importance nous devons toujours bailler la vie nous, une orientation nous devons toujours bailler la vie nous. Pour nous toujours la prière, pour nous toujours les paroles bon Dieu et pour nous toujours travail. Et là on monde également fondé la ville sous trois grands piliers ça yo. La prière, lecture de la parole de Dieu et les mots de la ville sous travail et l'a toujours été épanoui. Et je ne jeudi par rapport avec technologie, nous te devons joindre gagner plus monde qui croit. Nous te devons joindre plus monde qui gagner ça relé un cœur qui transformé, yon la vie qui amélioré, yon conduite qui amélioré, yon comportement qui amélioré et nous pote Bible là sur téléphone nous. Et même si mon n'a pas gagné Bible là dans bibliothèque li, mais li gagné Bible là sur téléphone ni. Et combien de temps yon moun kon pran pour li la Bible là. Et nous et de nos jours de jour en jour gagné ça relé yon sécheresse spirituelle, moun commencé déshydraté spirituellement. Moun a commencé anesthésie spirituellement. Li gagne téléphone nan, li pa gen problème pour passer 3 heures de temps à regarder un film. Oui, ça c'est loisir, ça li important. Même pas quoi si moun a prend téléphone nan pour li yon texte biblique, m'pa quoi ça a prend 15 minutes. Entre lia et méditer, m'pa quoi la prend 15 minutes, mais pas gen problème pour moun nan passer toute yon éternité à regarder yon feuilleton sous téléphone nan. Feuilleton an li important parce que moun pa capable vivre la vie yo sans loisir. Et lè que nous même nous modeler la vie nous sans loisir, ou gen moun ki toujours agité moun nan toujours agité, c'est parce que li pa créé un petit temps pour le prendre yon petit loisir. Li pa créé un petit temps pour li épanouir et li pa jamais créé un petit temps également pour li reposer. Depuis ou pas reposer, depuis ou pas épanoui, depuis ou pas équilibré la vie en tant que monde, et bien finalement l'a gagné conséquences sur propre la vie. C'est pour ça nous tous et nous chaque nous devons toujours créer un petit temps pour nous capable li parole là. Et à chaque fois nous li parole là sans que nous pas rendre compte, li gagne yon effet li fait sur nous. Et là nous fin li parole là, nous prenons un petit prise de conscience et n'a chercher qui côté parole là également pour toucher nous. Et parole là à chaque fois que nous lisons, c'est désinstaller nous pour li installer nous dans façon que qui a bon pour nous. À chaque fois nous lisons parole là et n'a senti parole là, c'est blesser nous pour le capable guérir nous. C'est pas tant qu'on l'aime blessé ou pour avili ou c'est pas tant qu'on les prochains blessé ou pour avili ou, mais l'ol li parole là li blessé ou et pour parole là capable guérir ou parole là blessé ou pour parole là capable penser ou pendant toute la vie nous et pendant toute la messe. Faut nous commencer penser pour nous mettre parole bon Dieu pour nous inscrire dans agenda nous, pour nous apprendre à lire parole là, pour nous apprendre à méditer sur parole là. Et parole là li fait yon impact la kay nou, li vin fait nous très souvent nous vin obéissant. Et obéissance là ou parler dans la Bible là, c'est sens ou pratiquer parole là et li vin faut vivre dans fidélité. Et à chaque fois li parole là, faut sentir parole là li déranger. Faut sentir parole là
et li fait un impact sur la vie ou. Et depuis le fait impact sur la vie ou, et c'est un bon signe et ou pas gen tendance pour changer mode comportement ou pas gen tendance pendant ou a créer paradis ou, côté que chita et ou pas mettre l'autre là qui bon côté là nan yon l'enfer. C'est pour parole ça nous saute tendez matin, c'est pour le faire yon impact sur la vie nous, et c'est pour le faire également nous prenons yon prise de conscience. Comment nous gérer temps nous, comment nous gérer emploi du temps nous, comment nous qui importance que nous baille parole là dans la vie nous. Ouais, Jésus qui quitte ambiance familiale là pour la faire mission, et faut nous t'agir même désir avec la Vierge Marie qui gagne un instinct maternel et qui toujours voulait rencontrer Jésus. Rencontrer Jésus, libre de rencontrer Jésus, ces paroles-là, les besoins pour l'écouter. Et qui importance ce que vous avez paroles-là dans la vie. Et comment gérer le temps, comment planifier la journée, comment gérer l'espace-temps par rapport avec paroles-là. Qui importance ce que vous avez paroles-là. Lorsque vous lisez paroles-là, qui est fait dans la vie. Et pour parole arriver fait en dans la vie nous, et c'est pas nous, non seulement nous même après ça, et monde cap vivre beaucoup de nous après ça, que parole là continue transformer nous, que parole là continue éclairer nous, que parole là continue édifier nous, que parole là continue transformer que nous, et pour le bas nous yon cœur de miséricorde. C'est pas un cœur qui pral de méditer miséricorde, mais qui pral faire miséricorde et n'a pratique miséricorde là sous propre tête pas nous, pour ne pas faire tête pas nous souffrir. Meilleure façon capable faire tête nous souffrir, c'est les li parole là qui t'a un petit mot qui dit nous faut que nous pardonner, mais nous cœur a vini li vin opaque à chaque fois parole là frappé dans cœur li retourner, et que parole ça nous s'attendait à pour lui rendre nous de jour en jour pour que nous capable transparent, et à chaque fois nous côté parole là, et pour arriver transformer la vie non, que transformation ça li fait de manière intégrale depuis le nous chita là pour jusqu'à ce que nous gagnons pour nous passer tout du restant non pendant n'a vivre sous terre, comme ça n'a gagné compte pour nous rendre et n'a capable dresser un bilan positif les grand mettre la rele non pour nous rendre compte et la juger nous toutes et nous chaque sous l'amour, que l'amour motive nous toutes et nous chaque, et que l'amour oriente la vie nous toutes et nous chaque, que l'amour c'est lui-même qui doit source et motivation la vie nous toutes et nous chaque, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint-Esprit, je viens de la louange.